Je voudrais les remercier parce que ma grand-mère aussi est survivante de la Shoah et je sais que ça l'aide beaucoup et Bémet qu'on la cavote pour ce qu'ils font. Bonjour à tous, donc vous voyez que nous sommes en pleine action, Trace de Naomi, pour distribuer aux personnes âgées et aux survivants de la Shoah des fruits, des légumes, des colis pour Pessah et des cadeaux. Alors vous voyez derrière moi, c'est l'école Chalet à Torah, les Mitnadvim, les bénévoles qui sont venus nous aider. Ils enveloppent les fruits et légumes et après les personnes âgées peuvent se servir et ils les aident même à porter leurs colis. Vous le verrez à l'intérieur. C'est très émouvant de voir la nouvelle génération, mes élèves, qui sont venus aider l'ancienne génération et surtout les survivants de la Shoah. Chasdé Naomi est un groupe qui s'occupe plus particulièrement pour ceux qui ont, pour les personnes âgées qui sont sorties de la Shoah et qui sont venues en Israël. Et il y a aussi une grande partie qui sont venues à Beth Shemesh. Et à Beth Shemesh, il y a pas mal de personnes qui ont besoin de cette aide et je tiens à remercier de tout mon cœur Chasdé Naomi de venir chaque année et d'aider toutes ces familles nombreuses. Je voudrais vous montrer ce que chaque personne âgée survivante de la Shoah reçoit, donc un cadeau avec le plateau et puis bien sûr à l'intérieur du carton c'est le colis alimentaire pour Pessah. Voilà, donc vous voyez les différents produits alimentaires que reçoivent les personnes âgées. Il y a des boîtes de thon, du jus de raisin, du riz, des bouteilles d'huile, bien sûr, les matzot de Pessah. Vous voyez, les cartons sont pleins. Ils ont été faits par les bénévoles les jours précédents. Et les bénévoles continuent tous les jours à faire des cartons comme ça alimentaires, puisque nous serons dans des points de distribution également tous les jours pour que les personnes âgées et les survivants de la Shoah puissent venir se servir, et aussi, bien sûr, les familles. Ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, grâce à tous les bénévoles qui font des colis alimentaires tous les jours. Nous devons continuer, il y a encore 40 centres de distribution dans tout Israël, donc rentrez sur le site Giusim qui sera marqué en bas du site et Rak Pessah Kasher Vesameach.